Voilà. Ah, bref, le jeu, Elgemu. Donc voilà, j'ai rangé les cours, j'ai dû étendre du linge. J'étais en sueur, en chaleur. Peut-être pas en chaleur, mais je me suis dit, je vais attendre un peu avant de streamer. Parce que si je commence le stream et je suis en mode ça va les gens! Je me suis dit que c'était un peu triste. Je me suis posé, j'ai regardé quelques trucs. J'ai vu que Steam faisait un mini-jeu pour les soldes d'été. Où t'as tout un délire avec une voiture que tu remplis. À chaque fois que tu remplis, que tu fais un turbo, tu gagnes 1000 points. Et avec 15 000 points, j'ai visité ou pas? Ah oui, j'ai déjà visité. Donc en gros, faut aller tout à gauche. D'accord. Mais oui, quand t'as 15 000 points, tu peux avoir un bon de réduction de 5 euros et c'est cumulable d'après les frères de JVC. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Si je peux avoir un petit uniste gratuit, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Ou n'importe quoi. Hein. Après, uniste, il est pas cher, donc, de base. Ah! Jeu qui me dit deviens un poulet s'il te plaît. Voilà. Ah mais c'est vrai que lui il fait un uppercut. Bon. Voilà. Ça sert vraiment à rien ces ennemis. Ah oui, c'est vrai que lui il a pas le double saut. Voilà. Ah non, ça passe pas ça. C'est vraiment son coup, il bat tout quoi. Mais il a tapé direct, il a même pas attendu. Y'a rien là-haut? Non. Ah mais je suis bête! Ça faut vraiment que je me le remette en tête. Hein. Voilà. Il me fait peur le truc là-bas. En fait, il n'y a aucun risque. Ah non, faut juste faire la glissade. Je me remets en tête les moves, hein, c'est compliqué. Disons que le jeu il avance assez vite. Hein. J'ai l'impression de débloquer beaucoup de compétences très vite. Ah, il y a un truc là-haut, tiens. Ah merci pour l'hébergement Altino, je viens de lancer le stream. Après c'est un stream assez court. Hein. C'est Kekalor Capitaine. J'ai oublié de raid. Oh mais c'est pas grave, de toute façon je viens de commencer le stream et... en vrai, t'inquiète pas pour l'hébergement. C'est toujours sympa. Après comme tu dis, tu peux... Enfin tu sais, t'es pas obligé d'héberger que moi, etc. Enfin... C'est juste la dernière fois tu avais fait cette remarque comme si tu t'excusais ou que tu voulais juste dire ne t'inquiète pas. Hop! Ne t'inquiète pas. Ça j'ai déjà fait. Il y avait même un coffre à la fin. C'est juste qu'ils ont changé le setup. Ah. Hop! Ah la vache! Ah la voiture, elle m'a tué tout à l'heure!
Mais d'ailleurs, je sais pas si t'es là, mais toi t'es pâtissier, donc ça doit être l'enfer. Je sais pas quelle chaleur il fait dans ton taf, mais courage, capitaine. Ah, c'est chaud de ouf, je me doute bien. Est-ce que j'ai pas fait une boulette à faire mon truc, moi? Parfaitement, c'était exactement ce que je voulais faire. Mais je vais garder mon coup. Ah, comme ça, lui, je peux le péter. Ah, j'ai ma petite sœur qui est aussi qui veut faire de la pâtisserie. Elle a fini ses études, elle a fait un CAP boulangerie, je sais plus quoi, et là, elle veut faire une formation pâtisserie ou je ne sais plus quoi. Et je présume que c'est l'enfer actuellement, elle est en stage et... Oui, elle a fait un CAP ou un bac pro, je sais plus du tout ce qu'elle a fait, tiens, j'ai un doute. Peut-être que tu connais l'école, il me semble que c'était une école assez réputée, elle a été à Rabelais. Mais je sais plus du tout ce qu'elle a fait. Voilà, je suis... Je connais bien ma famille. C'est dangereux, rentre chez toi et cache-toi. Ah oui, je peux, attends. Hop, non, il n'y a rien ici. Oh non, ce n'est pas possible. J'ai du linge à étendre aujourd'hui. Allez-vous-en, maudit nuage. Ah, mais oui, c'est le village. Ouais, elle a rien d'autre. Là, j'ai débloqué des trucs. 3000... Ah, il faut que je tue 30 ennemis avec ça, je l'ai pas fait. Ah oui, mais c'est avec la glissade. Ça va être relou de finir les ennemis avec ça. Et là, je peux augmenter le suplex. Mais c'est seulement bien contre les boss. Il me faut ça. Il me faut l'endurance. Je vais rester dans le monde des morts vu que j'avais pas visité. 10 et grosses masses noires dans le ciel. Elles peuvent nous faire du mal, je veux dire, on est déjà mort. Ah d'accord. C'est l'apocalypse. Aidez-nous, poulet Illuminati, vous êtes notre seul espoir. Elle a rien à dire. Qu'est-ce qui se passe? On est en danger? On doit se cacher? Mais je sais pas où elle est, la meuf. La meuf qui a la guitare. Tu connais pas? Ouais, bon bah je sais plus. Parce que j'ai une quête secondaire. Enfin, j'ai un truc à faire, trouver une fille morte avec une guitare. Mais je ne sais pas du tout où elle est, donc... Je ferais bien une blague, mais je ne sais pas trop. C'est quoi ces gros machins lugubres dans le ciel? Tu penses que le squelette de Jade est en sécurité? Je m'inquiète vraiment pour lui. Ça me dérange que les bulles de texte ne se centrent pas par rapport à l'écran, par contre. On ne peut pas dire qu'il soit rapide. Je m'accroche à l'événement que les poulets Illuminati nous sauveront de ce qui se passe. D'une seconde à l'autre, ils vont débarquer et arranger tout ça. D'une seconde à l'autre. Lui, j'ai pas d'un. Des fois, mon ancien chef Galaka me manque. Ok, il était méchant. Ok, il a kidnappé la fille d'El Presidente. Et ok, il avait une petite moustache moche. Mais méritait-il de mourir? Probablement. Enfin bref, on a encore des choses à voir. Entre. Moi, j'ai appris la glissade entre deux. Vole comme un papillon, glisse comme un poulet, c'est l'heure de la glissade. C'est bizarre les animaux.
poulet quand il tape. Ok. Bon. Pour le prochain, tu as intérêt à être réactif. Tu dois interrompre un coup puissant. Ouais, d'accord. Ça, c'est juste pour dire. Faut que tu fasses ça rapide. Ah oui, non, mais d'accord. Ah non, faut le faire direct. Maintenant que tu as acquis les bases, reviens me parler si tu veux apprendre quelque chose de plus extrascolaire. Oui. Voir ton côté sauvage. Montre-moi tes meilleurs coups de poulet. Mince, j'ai confondu les bouts de sang. Tu peux le cancel direct. Pourquoi ça n'a pas compté le premier coup? Ah non, c'est glissade! J'avais oublié la glissade. Tu fais un coup en moins. Mais où est-ce qu'il bouge lui? Taper direct après. Attends, je vois un truc. De toute façon, autant le faire directement. Ah si, on est à la bonne hauteur. Ah, mais le poulet, il est tellement chelou dans ses mouvements. Ah c'est ça. Juste que j'ai fait un coup en trop. Un coup en moins. Ça n'a pas touché. Parce que j'étais trop bas. J'ai l'impression d'être derrière à côté, c'est chelou. Ah, l'endurance, la pire chose du jeu pour ce genre de truc. Mais... j'arrive pas à compter mes coups. C'est chelou. Du... oh là là. Je fais soit 4, soit 2. Le problème, c'est le mur. Va-t'en du mur. Même avec le ventilateur, je crève. Ah là là, mais le poulet.
doublé. Faut bourriner. Faut pas attendre. Fais un coup de trop. Ah mais non, mais en plus c'est vers le bas. Ah là là. Pouah. C'était génial pour un poulet, Juan. Dès que tu es prêt, j'ai un dernier défi pour toi. Mais pas en poulet. Juan, c'est ton dernier défi. Je sais que c'est triste. Montre-moi que tu maîtrises les arts du luchador. Ok. Mince. En fait, j'ai l'impression que ça touche pas de base, donc je fais un saut. Pourquoi le saut il a pas été compté là? Oui. Ah mince, c'était vers l'avant. J'ai cru que c'était en bas. Ah mince, il veut que je le fasse deux fois au sol. Ah oui, mais je me souviens de ça. J'étais stupide. J'étais en train de regarder tout le combo. Saut, trois coups, machin, ok. Boîte de fudge. Je découvre des trucs. Ah oui, d'accord. Ah, tu peux. Mais attends. C'est le seul, on est d'accord. D'accord. Mince, je l'ai fait dans la mauvaise direction. Le cerveau, il est décédé de chaud. Eh oui, à cause du mur, le mur de ses morts. Repositionne-toi, sinon... Plaquage, machin, ok, ok. Mince. Oh là là, il va devoir se repositionner. Mais pourquoi ça fait pas le bas à chaque fois? Ça le fait après. Ah, j'ai peur. Pourquoi ça fait un bruit bizarre à chaque fois? Je vais faire ça. Hein. Ah mais ça part dans la mauvaise direction à chaque fois. Ah, hombre, je peux te dire que tu es un vrai luchador. Même mon cousin Gribri serait fier. On se retrouve dans un prochain jeu. Je vais aller me noyer dans l'alcool. Ah, problème, c'est pas les combos, c'est la chaleur. Donc, bien joué tout le monde. Profite bien de l'apocalypse. Pourquoi tout le monde se barre? Pff,
foi, c'est vraiment la dimension sombre ici. Juan, on a essayé, mais je crains qu'il soit trop tard. Mieux vaut rentrer chez soi et passer le temps qu'il te reste avec ta famille. Salvador a toutes les reliques, la fin est proche. Moi, je ne pars pas. La bataille n'est pas terminée. Wachivo 24. Salvador est déjà dans le temple du serpent. C'est sans espoir, il. Je connais qu'un moyen d'entrer dans le temple du serpent. En passant par l'enfer. Oh cool, on y a déjà été, c'est sympa comme endroit. Pas le temps à perdre. Quoi, mais faut retourner de l'autre côté. Si vous comptez vraiment continuer, prenez les trésors abandonnés par Eloy Shivo de la dimension distraite. C'est quoi cette histoire de trésor? Ah, point. Juan, et s'il n'y avait aucun moyen d'empêcher ça? Et si on échouait tous? Et si... Ok. Tu as raison. Tu trouves toujours les bons mots. C'était tout là-bas, non? Mais je pouvais me téléporter. Pourquoi je l'ai pas fait? Ah, parce que je pensais que c'était une nouvelle zone. Ah. On est d'accord que c'est en dessous? Mars a ouvert les compétences. Quoi? Ah, ça avait pas ouvert la bonne carte. En fait, ça m'a téléporté plus loin que prévu. Donc j'aurais dû aller à Villa Lucha, je vais y retourner. D'un côté, la map elle est chelou. C'est entre deux et finalement non, ils auraient dû faire deux sections. Ah mais la carte. D'accord, la carte elle est à moitié buggée. Ah mais c'est elle! J'ai vu en fait qu'il y avait le cimetière. La guitare de Pedro. Arturo l'a empruntée avant que je ne meure. Si j'ai de bonne mémoire, il aime traîner près de la fontaine. D'accord, il est où notre Arthur? La fontaine c'est là-bas. Ça doit être lui. Tu cherches la guitare de Pedro. Quelle coïncidence, je reviens juste de Mariachi Club. Je suis allé lui rendre. Quel chien. Dans quoi? Adieu Pedro, qu'il t'aime dans l'au-delà comme nous t'aimions. Oh non, Luchador, tu es arrivé trop tard. Pedro vient de nous quitter, mais il est parti avec le sourire en serrant sa guitare contre lui. Il a laissé quelque chose pour toi dans les coulisses, pour te remercier de l'avoir aidé. J'aurais voulu que tu vois combien il était heureux grâce à toi.
Voilà. Bienvenue Pedro, tu ne peux pas savoir combien ça me fait plaisir de rejouer avec toi. Merci pour tout, Luchador. On se voit là-bas, Seigneur Brett. La prochaine fois, elle est pour toi. J'ai attendu toute ma vie après la mort pour voir Pedro et son groupe jouer, ça valait le coup d'attendre. Mon Dieu, il joue encore mieux que lorsqu'il était vivant. Même mort, Pedro a toujours autant d'énergie. D'accord, bon bah voilà. En fait, tout était dans la ville. Donc l'enfer. Alors ça, j'ai vu ce que c'était. C'est bien un DLC à 2 balles. Il est vraiment... Là, il est en promo. Il est à 1,70€. Et en fait, c'est comme dans le premier, t'avais... Sauf que dans le premier, c'était pas un DLC. C'était dans l'extension. Enfin, dans la nouvelle version du jeu. Non, je peux pas le... Mais c'est dans le premier, il y avait un... Il y avait l'enfer. L'enfer servait à faire justement plein de petits niveaux bonus, plein de petits challenges avec différentes médailles. Et de ce que j'ai vu, bah ça c'est pareil, c'est le paradis et t'as 15 portes ou je ne sais quoi. Bon, ils auraient pu l'inclure dans le jeu, hein. Soit je passe par là, soit je passe par là. Ouais, ici ça m'a l'air bien plus simple. Ah, il s'est suicidé, ça m'a surpris. D'accord, donc par là. Ta, ta, ta. Voilà, c'est bon, c'est par là. Là, c'est l'épreuve, c'est derrière le la grosse bête. Non, là c'était pour un coffre. C'était en dessous de la grosse bête. Tac. Oh, le poulet va plus vite. Hein. Ah! Non, bah c'est bon. Là, là. Ah oui, il faut que j'en tue plein avec la balayette pour pouvoir améliorer la balayette. Donc là, là. Ça fait tellement de dégâts. C'est par là? Ah non, non, c'est juste qu'on peut passer par ici, mais là je ne peux pas. Ah si, je peux. Mince. Ah mince, j'ai plus le... Ah! J'ai plus le double saut. Voilà, parfait.
là je l'avais plus, je le fais avant. Ah, j'avais plus le dragon, je sais plus ce que je voulais faire, tant pis. La panique des boutons. Donc, ici. Ouais, voilà, c'est là. Pourquoi il y a Pépito? Les trous noirs sont apparus partout. J'ai beaucoup lu à ce sujet et on dirait qu'un affaiblissement des barrières entre les dimensions est la cause de tout ça. Pour vraiment comprendre le raisonnement derrière, je vais devoir continuer à lire. Ah mais ça c'est l'autre... Ah te revoilà! Luchador, tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que je devrais te remercier pour ce que tu as fait. Depuis que la voiture de mon père n'est plus qu'un tas de ferraille, j'ai fait des économies pour m'acheter ma propre voiture. J'ai dû travailler dur, mais maintenant je suis fier de dire que c'est la mienne. Ma petite Titine, regarde-la, la plus belle de la rue. Donc j'ai beaucoup appris de cette histoire. Merci. Mais arrête! C'est pas possible! Est-ce que t'es... Est-ce que les concessionnaires... Non! Très bien, je vais finir à pied. Bon. Si tu sauves le Mixiver, j'imagine que tu seras toujours quelqu'un de bien. À mériter aussi. Tiens, déjà, il n'y a plus le diable. Il n'y avait plus le diable parce que... Ah non, non, il était plus là. Désolé, monsieur Diablito n'est pas disponible pour le moment. Il a dû s'absenter en urgence pour traiter une nuisance. Tu veux prendre rendez-vous? Vas-y. Bien sûr, les dates suivantes sont disponibles. Merci, je lui transmettrai le message. Ta-da-dam. Ah non, non, c'est tout à droite. Ah! Je regardais pas. Donc lui j'ai déjà tout fait. Ah voilà. Tu ne passeras pas si tu n'as pas fait ton dossier. Où sont les C37038A et tes deux photos d'identité? Attends Alan, qu'est-ce que tu entends par C7038A? Tu veux dire le C7038A2 obsolète ou le nouveau C7038A4? Que quoi? J'en sais rien moi. Alors t'es viré. Voilà, casse-toi. Ah. Désolé Juan, j'ai de très mauvais employés ces derniers temps. Les gens ne crèvent plus d'envie d'être bureaucrates de nos jours. Juan, nous avons des postes disponibles. Dis-moi si ça t'intéresse de passer un entretien quand tu auras sauvé le monde. Hop. C'est quoi ça? Un ascenseur? Peut-être. Excuse-moi, mais on fait des travaux. On ne laisse passer personne en dehors de nos heures de travail et on commence à 11h. Je ne te conseille pas d'attendre en enfer.
Mais tu peux explorer cette cage d'ascenseur si tu veux. D'accord, il y a deux coffres là. Ah la vache, mais comment il glisse le poulet? J'arrive pas à peser. Ah là là, les pattes savonnettes. Ah, c'est un mimique ça? Ah! Oh là, on se calme! Pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi les gens me frappent toujours? Quoique quelqu'un a déjà sonné la cloche de l'éveil, on ne peut plus faire une sieste tranquille sans faire constamment taper dessus. Oh, tu es donc le poulet mort-vivant élu. Grand bien te fasse, monsieur Luchador. Tu feras mieux de te hâter avant que Salvador ne déclenche l'ère des ténèbres. Non, je n'ai pas d'or. Franchement, tu ferais mieux de retourner à ta mission. Ce Salvador s'affaire est un vrai idiot. D'accord, bon, petite référence à Dark Souls gratuite. Y'a rien là? Non. Mais... Tadam. Ah, là on peut descendre ou aller à gauche. Et là je peux pas faire le saut des enfers donc pour le moment. Faut que je fasse les 30 kills avec la balayette. Voilà. Et après ça sera juste les shop spé, mais les shop spé, y a juste à faire les petites shops, y a juste à faire 3 fois chacune donc. Mec, c'est moi que tu essayes de contourner le chantier. Je crois que tu dois passer par ici, oui, par cette mare de lave. Ne me demande pas comment faire. Attention aux pieds. Ah, quelque chose me dit que c'est trop grand. Voilà. Donc il me faudra l'envol machin. Et donc il y a peu de nouvelles techniques dans le jeu. On arrive déjà à la fin. C'est ça qui me rend le plus fou. Ah, l'endurance. J'aurais dû mettre une limite dans l'endurance uniquement au combat. Ça, je peux le tuer avec ça.
Les nains, ils servent à rien. Non, oui, non. On va les tuer comme ça, hein. Tant pis. Même si ça aurait bien été gratuit. Non mais... Ah! Donc ici, pareil, c'est pour faire demi-tour, donc ça m'étonnerait pas que par là, il y ait... Voilà. On va pouvoir faire le vol plané. À partir d'un wall jump. Juan, ravi de te rencontrer, je suis Loai Chivo de la dimension thérapie. Comment ça se passe? Tu veux me dire comment tu te sens? Ah oui, oui, vas-y. Alors, comment tu vis toute cette aventure, nouvelle aventure? Ça va? Tu t'inquiètes pour l'avenir du Mexiverse, je vois. Et ta famille doit te manquer terriblement avec tout ce qui se passe. C'est pas faux, sauver les dimensions de l'anéantissement, c'est un peu une manière de prendre soin d'eux. Mais évidemment, tu préférerais être avec eux. Oui, je sais, c'est un peu perturbant de rencontrer les versions mortes de toi et Lupita. Nous, les Waichivo, on y est un peu habitués. Est-ce que tu as vu le Chivos de la dimension métal? Oui, on dirait qu'ils sont en paix maintenant. Ils s'en sortent très bien. Bon, c'est un squelette. C'est un squelette? Ah oui, bon, c'est un squelette. Et c'est parfaitement normal de perdre un peu sa forme quand on fonde une famille. Tu peux toujours enlever cette tenue. D'accord, ravi d'avoir parlé avec toi. Laisse-moi t'apprendre le vol du cabri. Et là, voilà, sur un mur, tu fais direction shop. Et normalement, tu voles. Jusqu'à te payer un mur à la verticale. J'aimerais bien qu'on débloque une autre compétence après ça. Mais je ne pense pas. Non, il doit manquer une compétence. Ils ont sûrement mis un truc à la fin pour dire t'as vu, c'est pas le même jeu. Pff, pourquoi je te dirais l'ingrédient secret de mon guacamole? Mais je vais te donner un conseil, ne lésine pas sur les piments si tu veux épicer un peu tout ça. Jalapeno, serrano, habanero, poblano, guacamole, c'est quoi tout ça, guacchilo, pasilla, j'adore les mettre tous et les faire chauffer, et faire chauffer les palais. En parlant de ça, tu veux que je t'emmène quelque part? Non, non, c'est bon. Où je me fais nerfer bizarre. Ah non, ça marche pas. C'est quoi ce... ce debuff violet que j'ai de temps en temps? Oh, l'ennemi il a essayé de me taper avec son truc. Par contre lui il va me saouler. Cassez-vous. Ok. Ah mais j'ai 10 000 balles. C'est le moment de claquer tout dans les compétences. Ah il faut encore 20 kills avec ça. Et ça j'utilise trop peu les shops comme ça. Bah, écoute. Hop, comme ça on va maxer ça. Ah ça coûte si cher. On va la prendre. Élu, te voilà, tu as entendu nos prières, ton courage est sans égal. L'oiseau dont on ne doit prononcer le nom a fui vers ses terres, en emportant notre œuf d'or si précieux. Dépêche-toi, il n'y a que toi qui puisse l'arrêter avant qu'il ne détruise tout ce qui nous est cher.
J'ai pas de compétences. Ah non, mais de toute façon, c'est pas avec le poulet. Comment je peux le choper celui-là? Non, je suis obligé et je dois être en poulet. Déjà. Ok. Je l'ai fait dans la mauvaise direction, je suis heureux. Voilà. Un peu plus d'endurance x2. Parce que tout à l'heure j'en ai eu un. Enfin, tout à l'heure j'ai débloqué un peu d'endurance. Ah mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je pétais la pierre pour l'avoir pété. Voilà. Et mince. Ah non, c'est bon. Parfait. Je recommence tout. Exactement ce que je voulais faire. Je voulais m'habituer au gameplay. Déjà, si je commence comme ça, ce serait mieux. Il y avait un passage immonde comme ça avec... plein de statuettes de chats à moitié dans le premier. C'est pas ça que je dois faire, je dois les tuer avec une balayette. Il y a un truc violet qui a bougé derrière moi. Ok. Donc là, c'est full poulet. Non, faut que je m'agrippe là, je me laisse machiner. Je suis un dragon machin, mais je peux pas arnaquer la plateforme là et faire ça. Oh, ça énerve d'arnaque ça. Oh, ça a complètement une aire d'arnaque. Il était très dur. Un très bon puzzle. Ce voleur... Je me remets en poulet parce qu'il me faut mes deux balayettes à moi. Il repop à l'infini les gars? Si oui, c'est parfait, hein. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah voilà. Ah, les mecs ils apparaissent, ils tapent direct. Ah, j'aurais pu faire ça aussi sur eux. Mais bref, hop, la méditation ou le poulet?
6000, comme ça je vais avoir les explosions poulet, ça je veux. Ça mon poulet il va bourriner. Pourquoi il y a ça alors que je peux faire ça? Je comprends pas le délire. Ah merci. Ça se montre que quand tu l'as passé. Je voulais voir s'il n'y avait pas un truc caché. Le jeu il l'a fait, non. Mince. L'angle. Ah ça reset pas le double saut ça. Je comprends mieux pourquoi il y a des moments où je me fais schnapser. Tata, là faut aller en haut, là faut faire pareil, toujours pareil. Tu débloques un truc, le jeu il fait tout le temps la même chose. Ça te montre plein de possibilités pour utiliser ta technique. Ah! Attends, c'était normal? Ah, j'ai été chanceux. C'était pas normal, en me dirigeant un peu au schnapps, j'ai réussi à me débloquer. Ok. 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 Pas de truc caché là, non. Y a pas de mur invisible. Non, ça reset le double saut, donc j'ai pas de... aucune compétence. Ah mince, il est mort. Donc j'ai le double saut pour après. Quelque chose me dit que la suite n'est pas par là. Attends, non, là je peux pas passer. Ah mais il y a un... stupido. Ok. Ah. Ok. Evin qui prend qu'entre deux. Non, ça reset le double saut, donc c'est bon. Terre a rien à voir parce que on voyait rien. Je peux débloquer l'explosion poulet. Et après, ce sera les suplexes. Enfin, ça, puis les suplexes. Et après, je prendrai ces trucs random là. Ok, ça fait ça. Ouais, enfin dans le 1 il y avait le même délire. Mais au moins il y avait des couleurs de portail. Ah mince. Ah, il one shot. Ok. Ah, salut Mianda, tu vas bien? Toujours sur Guacamele, toujours à bourriner. Et lui, il a fait non, j'apparais, je tape, comme tous les ennemis du jeu. Je présume que l'autre, il va apparaître là. D'accord.
Mince. Ah non. Ah. C'est un mur, c'est bien ce que je me disais. Tac. J'avais pas vu qu'il y avait un mur qui allait apparaître sur mon nez. Ah bah ou oh. Ça c'est juste un raccourci, c'est ça? Alors comment j'atteins ça? Bah avec ça hein. Ah. Paf. Par contre ce visage joyeux me contre le mur m'inspire pas trop confiance. Alors je veux reset mes coups, merci. Donc ici encore, encore la même chose, un détour pour activer un levier. Le problème c'est qu'il est 21 h. Pas chauffable. Voilà. Je suis un peu des chocs au pif pour débloquer les compétences. Je vois pas l'intérêt de mettre des. Des poules comme ça, par contre l'autre il fait du feu et le feu c'est relou dans le jeu. Ça reste trop longtemps. Voilà. Ça c'est fait. Là il y a un reset. S'il y a un reset c'est quoi là? Il va y avoir des vieux ennemis pourris. Sauf que moi je peux déjà le faire deux fois en fait. Ah mes oreilles. C'est immonde comme son. Ah le son il m'a... J'ai foutu un coup de doigt dans le micro. Il m'a piqué un petit peu là. En fait ce genre de plateforme là, ça marche pas parce que ça... Ah, encore j'aurais pu faire le... Enfin de base c'était pas ça que je voulais faire ça. Est-ce que ça passera? Mais de toute façon je pouvais le péter à la main, je suis bête. Je pensais que c'était spécifique. Mais non, c'est les mêmes
c'est les mêmes à 100%. Ah mince. Salut hein. Ah mince. Ah mince. Ah j'ai pas eu le temps. Le suicide. Ah mais non, là j'étais obligé de faire le vol plané. Ah ça a l'air bien relou, par contre le son il est dégueulasse. Ah mais vu qu'il y a un freeze, quand faudrait que je change les dimensions à chaque fois, je vais pas m'embêter. Au lieu de timer. Mince, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ah mince, il s'est refermé. Quand j'ai voulu switch, s'il te plaît, le son du jeu. Mince. Ah mais non, ils étaient trop proches ceux-là. Je reviens tranquillement parce que je sais que une erreur c'est la mort et il n'y avait pas le point de sauvegarde. Mais attends, je suis où alors? Quoi? D'accord qu'ici c'était juste pour un truc secret. Oui. Donc j'ai raté un passage avant. Ça devait être avant cette allée là, devait... Bah oui, le plafond. Ah. Ah non, j'ai fait n'importe quoi, hein, donc... Donc il y a un moment... On en meurt. Voilà. Tac tac. Coup de tête. Oh là là, mais qu'est-ce que... Manque le coup de pied. Coup de pied c'est direction et ça haut. D'accord, version haute, version droite. Il me
faut ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pensais que c'était une plateforme qui allait monter, mais non. Je me suis demandé s'il y avait moyen d'arnaquer le jeu. Mais non, les pics durent bien trop longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, un peu plus de vie. Le Corazon, El Corazon. Ah, ça marche aussi avec les boss, enfin les monstres. Cela. Il y en a. Ah, mais l'autre elle en invoque à chaque fois. Par contre, quand tu la tues, il ne les invoque pas. Pas comme dans tous les jeux. Ah, mais le problème c'est que là. Ah, il est 10, faut que je bouge. Ah oui, non, je pensais pouvoir shooter les deux en position non bien. Donc je présume qu'il y en a une qui va booster les ennemis, l'autre qui va les nerfer. Il est où? Ah mais il est derrière. Mais ce jeu, c'est quoi le concept là? On va la faire bouger direct hein. Non, mais deux ennemis qui spawnent au même endroit avec très peu de temps de différence. Ah, je pensais que ça allait partir plus vite. Un jeu qui a un 2 que j'attends aussi, c'est Spelunky. Spelunky, il a un 2, mais le 2, il a l'air schnapps. Il a l'air d'avoir plein de mécaniques en plus. Mais il a l'air plus moche que le 1. Peut-être une question de mieux voir, de lisibilité, mais c'est vrai que dans le premier, il y avait des trucs, c'était un peu bizarre. Vous voyez pas trop mais je trouve que le premier avait une meilleure tronche. J'ai une mauvaise nouvelle, élu. Le vilain vautour a été rejoint par l'inarrêtable Cactuardo. Mais les craintes, nous avons préparé une arme ancestrale pour t'aider dans ta lutte. Il va me filer un lance-roquette. La prophétie si doit se réaliser. Tu dois nous délivrer de l'oiseau dont on ne doit prononcer le nom. Poursuis ta route, élu. Ta route. L'arme ancestrale n'est pas loin.
Ah, faut que je m'arrête. Hein. Même si j'ai pas prévu de faire grosse cuisine de fou. Voilà. Pourquoi c'est affiché comme ça sur, sur la carte? Je pensais que c'était secret, moi, pas que c'était... je pensais que les trucs comme ça c'était secret, mais bah non. Et bah non. Ouais, je vais juste au prochain checkpoint. C'est quoi ça? Le cœur de la ringardise, dimension ringarde. D'accord, faites demi-tour. D'accord, legit no joke. Dernière chance de faire demi-tour. Non, je peux faire demi-tour maintenant. Attention. Tu as vraiment décidé d'entrer dans ma grotte ringarde. Juan, je suis Light Shiho, le plus ringard. Puisque tu insistes tant, je vais t'envoyer souffrir dans l'endroit le plus ringard et humide du Mexiverse. Latin geek. Mettre des mèmes dans votre jeu, c'est vraiment faire preuve de paresse. C'est comme utiliser des banques d'images. Et Drobia. Tuf, c'est pas drôle d'avoir des mèmes dans un jeu. C'est un moyen pour les développeurs flemmards et sans humour de faire rire les commentateurs débiles de YouTube. Stot 7, Vocamélé, c'est pas le jeu avec beaucoup trop de références au mèmes. Doc, Vocamélé abuse des mèmes, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté au bout de 10 minutes. C'est merde, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Je suis sûr que le gameplay est génial, mais je ne supporte pas les mèmes d'internet. Non, le mieux c'est les mecs qui disent que le jeu il est pourri et ils l'ont même pas acheté. Écrit Charleston, un jeu si bon gâché par des... Ah là là. Ça aurait été mieux s'ils avaient enlevé ces vieux mèmes. Sorcereur suprême, sérieux, était déjà nul à l'époque. Mais là, ils sont devenus tellement hors sujet que c'en est gênant. Si j'étais le dev qui a bossé sur ce jeu, je ferais une mise à jour pour enlever tout ça. Est-ce qu'il y a un mode pour enlever ces horribles mèmes? Un peu comme Fortnite. C'est couché sans l'avoir touché. Survie ultime. Hydra. Bon. Hop. Merci pour l'argent. Tu les as tous supportés? Tu n'es pas totalement indigné? Apparemment non. Peut-être que tu ne les as pas tous vus. Il y en a 9. On dirait que tu as une autre tolérance au même. Mais ne prends pas trop confiance, tu penses que la ringardise est ton allié? Tu les as à peine apprivoisés, moi je suis né dedans, elle m'a fait. Les gens n'ont pas arrêté de dire, mais au lieu de même, jusqu'à ce que je devienne un homme. Time.
Bon. Enfin, il me faut un checkpoint. Même si je présume que terminer le truc, ça save, mais il y en aura sûrement un là. Voilà. C'est quoi ça? Ah, peut-être le boss. Bon. Compétent, je peux rien apprendre si je peux apprendre ces trucs-là. Paf. J'ai pas assez de thunes pour le reste. Ça, il faut 6000, 6000, 7000. Bon, les compétences finales, enfin les compétences ici, elles ont l'air de coûter la peau de quelque chose. Mais moi, je m'arrête là. Ah, voilà, paf, l'écran de fin. J'ai pas le temps. Non, faut que j'aille cuisiner, j'ai faim. Les couilles cassées, ça tient au frais. Pour ça que je vais aller y jouer. Ah, moi je me stoppe là. Merci d'avoir maté le stream. Pouah. Bon, maintenant il fait frais dans mon appartement. Maintenant que j'ai laissé tourner le truc. Et puis moi j'ai la chance d'être au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée il fait plutôt frais. Enfin, là où je suis. Puis la magie de la Normandie, il fait chaud, mais il fait pas totalement. Mais enfin, moi je vous laisse. Je vous laisse une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, merci d'avoir regardé le stream. Merci encore pour le raid Alchi. Et je vous dis à la prochaine.